Avec 43 404 projets de recrutement en Midi-Pyrénées pour l'année 2009, l'offre d'emploi existe, même si elle recule de 26% par rapport à l'an dernier. Elle place même notre région au troisième rang national parmi les 7 régions créatrices d'emplois. L'enquête menée par le Pôle emploi a permis de mieux cerner les bassins d'emploi et les secteurs porteurs. Pierre Brossier, responsable statistique du Pôle emploi régional, analyse les résultats. Toulouse, 48% des intentions d'embauche. Donc là, forcément, on a un gros bassin d'emploi, très dynamique, et qui, notamment sur toutes les métiers d'ingénieurs. On a des confirmations pour Muret, pour Montauban, pour Toulouse, au niveau de la dynamique de ces bassins d'emploi. On a été un petit peu plus surpris par Lourdes et Lannemezan qui recrutent. Dans les secteurs qui recrutent, les fonctions liées au service restent au premier rang avec 2/3 des intentions d'embauche. On assiste par contre à une baisse sensible du poids des ouvriers du bâtiment et de l'industrie. Et parmi les métiers les plus recherchés, les ingénieurs et cadres informatiques, les agents et hôtesses d'accueil et les standardistes sont en hausse constante depuis 3 ans. Les animateurs socioculturels en revanche sont en baisse, même si c'est le premier métier recherché. Les résultats vont maintenant être exploités par le Pôle emploi, comme l'explique son directeur régional Yves Dubrunfaux. Notre objectif, c'est de bien connaître les intentions d'embauche des employeurs pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi et éventuellement financer des actions de formation en lien avec le conseil régional pour permettre à ces demandeurs d'emploi d'acquérir les compétences recherchées. Cette enquête est la 8e du genre, elle est menée à l'échelle nationale. Localement, elle a été adressée aux 73 000 entreprises de la région. Environ 1/4 d'entre elles ont retourné leur questionnaire.